Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans mon lit, enfin dans le lit de mon mec qui a un lit, une place, puisque j'ai décidé de vous emmener dans une journée avec nous, notre petite routine de couple. Aujourd'hui cette journée va être un peu spéciale parce que je me suis rendu compte que je que travaillais dernièrement et que j'étais hyper fatiguée et là on est dans le sud et j'ai grave envie de profiter. Donc aujourd'hui je vais essayer de pas être sur mon téléphone, de... Bon je vous dis ça, je Quoi quand même ma Comment caméra. Ça? Moi j'ai le droit, ouais. Non? Non toi t'as pas le droit Si j'ai non le droit, plus. quand je fais caca j'ai le droit de mettre Mais mon arrête, téléphone. t'as une noche. Les gens qui font des routines de couple normalement c'est mignon, c'est en mode on se réveille ensemble, on fait des câlins. Mon copain il me prépare un petit déjeuner au lit. Ce sera vraiment un vlog assez chill où je vous montre un peu bah, mon quotidien quand je suis dans le sud et quand je suis pas à Paris. Et surtout, quotidien. mon quotidien, mais ça fait un mois quand même, je reste un mois. Oui, non, mais quotidien, à quel moment c'est notre quotidien? Notre quotidien c'est de faire du contenu et de s'embrouiller. C'est vrai, c'est pour ça, aujourd'hui on va essayer de faire une journée où on s'embrouille pas, on travaille, mais oh là là, ta tête, ouais, je suis sur son tel. Bref, on va se lever, vraiment c'est trop mini. Taïn est l'habitant d'un petit village Provence, trop hâte de vous montrer, j'espère que ça vous plaira, même si c'est un vlog quand même plus chill et tout. Mais moi, c'est le genre de contenu que j'aime beaucoup regarder où juste les gens racontent leur vie, montrent leur quotidien avec leur mec ou sans leur mec parce qu'on n'a pas besoin de mec pour être heureux. Il y a le chat qui fait une crise d'asthme derrière, désolé, je sais pas si je vais manger ce matin. J'ai peut-être mangé d'habitude, je mange pas trop le matin, mais oula, oula, le chat, mais non, le chat, non, non, non. J'adore la déco, il y a des plantes partout, vraiment les gars, je vous ferai un plan de tour, il y en a. Partout, 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 partout. Et le marché est vraiment à 5-10 minutes. Donc je vais me laver les cheveux avant parce qu'ils sont dégueulasses. Et voilà, petit café, lait d'avoine, évidemment. Lui, petit déjeuner, elle. Je m'en vais toujours sur le petit déj parce que le midi et le dîner, je ne mange plus. Mais arrête, on mange beaucoup le midi et le dîner. Non, ce que je dis, c'est qu'on mange beaucoup et pas forcément toujours des bonnes choses. Donc tu... Mais enfin, d'habitude tu manges aussi beaucoup le matin. Des fois on est en famille, ouais. Donc on mange des pizzas avec tout le monde, on mange des frites avec du riz. Enfin, non mais frites, pizza, riz. Donc soja vanille, mais comme j'ai pas envie de tout finir et de me faire engueuler par Pauline. Pas vrai, mais on va manger avec de l'avoine. Faut qu'on avoine. Des céréales. C'est vrai, moi j'ai fait bien 5 cm de plus que Pauline. On est dans le sud parce que c'est de... C'est toujours ici que... Enfin, c'est ici que j'ai grandi, c'est ici que j'ai vécu jusqu'à mes 20 ans, dans la mesure où je suis allé ensuite faire mes études ailleurs. On est venu dans le sud bah, déjà parce que pour les vacances, c'est quand même beaucoup plus agréable. Ouais. On a le soleil, on a la mer, il y a un lac qui est pas très loin. La semaine dernière, moi ça fait 10 jours que je suis là, presque ouais. Une semaine, j'ai loupé mon train parce que mon réveil n'a pas sonné et c'est une vraie excuse, donc j'ai payé hyper cher le train. Pour le retour, je sais pas comment je vais faire parce que ça coûte très cher aussi, mais on n'y pense va, pas. Ça va ralasse hein, en tous les cas. Et donc la semaine dernière, on a pas mal taffé, j'ai taffé pour mon job en tant que... agent de créateur de contenu avec ma team et tout. On a aussi énormément bossé par rapport au clip parce que j'ai sorti un clip sur une des chansons de Taïn qu'on a fait ensemble il y a quelques mois. Et... Le clip c'est Lovina. Ouais. La chanson c'est Lovina. Extrait de l'EP 7 Avenue des Anges, c'est la track 3. Demain il met les voiles vers un azur où le soleil lui sourira. Tes yeux, elle veut s'envoler, celle sans demi-mesure. Une dernière balle s'appareille avant d'être sûre. Quel est son cœur à Lovina? Et... Qui parle de Pauline. Si vous avez vu les Breakup Diaries, vous savez de quoi parle la chanson. Et ensuite, la semaine dernière, on avait fait pas mal de trucs aussi. On est allé dans les gorges du Pardon et on est allé à Marseille. Et vraiment, j'ai adoré Marseille. Hop, rush tout de suite. Rush. J'aurais rêvé d'un ailleurs, puisqu'ailleurs c'est toujours mieux, c'est prouvé. Revoir le pays de mes aïeux, où le soleil est bien plus radieux. J'aimerais pouvoir vous dire adieu, on se retrouvera aux cieux. Je m'en vais, Madagascar est en feu, j'ai écrit sur ma liste de vœux. Finalement, après, on découvre pas mal le sud, enfin, on arrive à quand même faire pas mal de trucs, mais on est assez fatigué. Il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau taf. Non, beaucoup de choses pas taf, encore à voir. Le mot taf est proscrit. Alors, on va aller voir le marché. Le mot taf est interdit. Taf, 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 taf. Le petit déj léger se transforme en pas petit déj léger. Voilà. Parce que le papa de Taïn, il a acheté ça. Je vais me donner à manger. Je me filme en train de me donner à manger. Oh l'angoisse. Ok. Pourquoi tu dois donner à manger à des chats alors que t'es allergique aux chats? Surtout, pourquoi vous avez autant de chats alors que t'es allergique aux chats? Olaf, c'est le premier chat qu'on a eu. Que des chats errants dans mon village.
on n'a vraiment pas d'argent pour acheter tes chats. Du coup, bah, ma petite soeur, en fait, elle a toujours voulu avoir des animaux, mais comme moi je suis allergique, toujours, enfin, interdit d'avoir des animaux à la maison. Mais il se trouve que, à force d'avoir un chat qui prend des allergiques, ça finit par me désensibiliser. Ouais. Et donc, on a accueilli Olaf. Mais au début, il n'y en avait qu'un. Mm. Et en fait, juste Olaf, ça avait. Finalement, on a eu un deuxième chat. Bon, elle a disparu du jour. Non, on sait pas où elle est. Et donc, ça. Il y a eu une tristesse générale dans la famille qui fait qu'on a ensuite adopté 4 chats. Du coup, bah, en fait, techniquement, tous les matins, il faut que je donne à manger à tous les chats. Parce que normalement, c'est ma mère qui donne à manger aux chats, mais elle est aux États-Unis avec mes petites sœurs. Donc, je suis le babysitter des chats pendant 3 ans. J'ai tout un tutoriel pour m'occuper des chats. C'est classé par catégorie de chats. Donc on a les chats errants de dehors, on a les chatons dans la chambre de ma grande sœur et on a Olaf qui a sa feuille pour lui. Ah putain, mais je savais pas que Olaf était pas dans les. Non, attends, mais vous en avez 3 chez vous dans ta maison ? Je pas pareil que les deux en haut. Attends. Il y a Berlioz là, et Mouchou. Là, tu viens de créer une dissonance chez moi parce que je pensais qu'il y avait que 2 chats dans ta maison. Non, il y a Berlioz et Mouchou. En fait, ils se ressemblent de ouf. Donc t'en as l'impression que. Ah ouais, mais moi j'étais persuadée que c'était le même chat. Mouchou, elle a beaucoup plus de poils. Berlioz, mais je la vois jamais. Qui transperce mes iris. En fait, ça me fait bizarre parce que d'habitude on mange jamais ensemble. C'est tellement fake. On a fait un combo marrant il y a ces derniers jours. Toi, t'as amené ah ouais. Une demi-heure pote, moi j'ai amené un demi-heure pote. On a fait de la musique. Avec Céleste et Monza. Rush maintenant. Maintenant qu'elle a goûté le poison, elle veut plus rien d'autre. Elle veut plus rien voir, elle veut plus rien croire. Quand on mélange la passion et la frustration, on contrôle plus rien dans l'équation. Tout va quand tu danses pour moi, quand tu danses pour moi, vraiment t'es là, t'es en train. Ça fait bizarre à tous les deux parce qu'on a fait un an de césure chacun et on va devoir reprendre les cours. Taïn, tu fais quoi? On a jamais dit ce que tu faisais en cours. Mais rien ne nous oblige, j'ai bien travaillé. Mais même d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais? Là, il y a le chat sur le côté qui s'est grimpé dans la, sur la fenêtre. Moi, je suis en sciences. Je suis en master de biologie, donc c'est de la biologie cellulaire et moléculaire pour ceux qui connaissent. S'il y en a beaucoup qui connaissent pas, c'est pas grave. Tiens, je te donne 9. Je comprends. Non, mais moi j'en veux un entier. Quoi. Ah merde. Tu peux remettre, hein? Ouais. Je ne sais pas. Non, c'est bon. Il y a peut-être juste un mot pour mon père demain. Ah oui, ou c'est pour travailler dans la dermocosmétique. Bioderma, Estiderm, L'Oréal, la partie cutanée, la partie sur la peau. Est-ce qu'on teste encore beaucoup sur les animaux? Non, c'est interdit en France. Très bien ça. C'est quoi tes objectifs après? Mes objectifs, c'est pas après avoir des trucs bien profonds. Bah, juste pour les 2 années qui viennent, c'est de décrocher mon diplôme et de réussir à toujours faire de la musique à côté et que ça marche mieux dans la musique quand même que dans les cours. Enfin, dans le sens où ça va pas être ma priorité dans les cours. Mais mon but, alors, il dit ça, il était premier de promo. Enfin, dans les bah, ça va être difficile. Il faut que je me conditionne à me dire que ça va pas être ma priorité. Ça veut pas dire que je vais la négliger et que je vais pas travailler du tout, mais ça veut dire que je vais pas me donner à un niveau d'intensité de travail où je vais essayer d'être majeur. Mais attends, raconte ce que tu faisais. Mais ça, il y a plein de gens qui. Alors, je crois qu'on est que 2 par promo, c'est que Bastien et moi. Basto, si tu passes par là. Mais on enregistrait tous nos cours au dictaphone et on les retranscrivait mot par mot. Mais ça, c'est parce qu'on a été en PACES. Et je pense que ceux qui ont fait PACES ou qui ont eu des cours où il fallait tout apprendre par cœur comprennent ce point d'être matrixé. Ouais. Ouais. Par chaque information est importante et peut tomber à mon examen. Tu viens de faire un truc que je déteste. Mais il y en a là, sous ma gueule. Il n'y en avait pas hier, je te jure, pas. J'aurais vraiment vu s'il y avait ça. Ok, t'achètes ça. On dirait que je vais chanter avec Harry Styles. Bon les gars, ouais, finalement pas de marché. On s'est trompé. Elle est au supermarché. C'est peut-être demain le marché. Lidl. Lidl. Pourquoi faire pleurer les gars? L'ouragan passe et s'évapore. Chaque heure de sans les airs de guitare, c'est vraiment l'idéal. Vous humains. Qui suis-je? Déçu. Mes passions n'existent pas. Mon gardien m'assistera. Je traite un piano qui s'embrasse. Et qu'on ne fasse plus qu'un comme les femmes dans Sister Act. Mon âme se sent si mal. Quand leur destin s'égare. Ouais. Et donc là, on va faire un jeu. On va dire des choses qui n'arriveront jamais. Je commence. Un feat avec moi. Je serais plus grand que Pauline. Ouais. Sauf si je perds mes jambes. Toi qui deviens végétarien. Toi qui remange à nouveau de la viande. Il y a plus de chances qu'on fasse un feat ensemble ou que tu deviennes végétarien. Qu'on fasse un feat ensemble. C'est vrai? Je pense. Mais je sais pas chanter, frère. Tu vois, bah, Céleste, tu dis, il y a quelqu'un qui est rentré chez nous. Un Brésilien, on n'arrive pas à le choper. Taïn, je veux avec le chat. On va faire un TikTok, histoire d'aller monter encore le son Lovina.
Et on fait un TikTok par jour pendant 30 jours pour essayer de faire péter le son. Donc là, c'est le jour 3, jour 4. Et on a demandé à mon père de participer. Et c'est plus qu'une participation, c'est une vraie implication. L'acteur principal. Voilà mon papa. Un peu plus tard, il va être quasi 16h. J'utilise le concentré illuminateur Typologie, c'est pas du tout un partenariat. J'aime beaucoup, je vais vous montrer. Hop, je connais rien, mais j'adore la couleur, j'adore le rendu sur la peau. Ce qu'on voit. Voilà, c'est vraiment beau. Par contre, j'ai une chose à dire, c'est qu'il est vraiment très discret. Genre, c'est pas une blague quand on vous dit ah, c'est comme si vous n'avez pas de maquillage. Genre, ça se voit de ouf que vous avez des petites paillettes si vous êtes en plein soleil et tout. Mais si vous voulez faire comme moi, plutôt des make-up pour quand vous faites de la photo et tout, pour que ça se voit sur les photos, prenez autre chose. Parce que c'est pas du tout un highlighter quoi. Enfin, c'est vraiment un petit concentré, mais si vous êtes un peu plus jeune ou que juste vous aimez pas trop vous maquiller, c'est le genre de truc qui peut bien vous convenir. Je sais pas ce que je fais avec mes cheveux. Donc on a fait pour Taine des petits TikTok avec son papa. Ouais, c'était assez cool, c'est marrant, c'était galerie. On avait dit pas de taf aujourd'hui, mais en vrai c'était plus... c'était sympa, genre c'était pas prise de tête, c'était pas stressant. Et ensuite là j'ai bien envie de retoucher mes petites photos et de faire un petit live TikTok. J'en ai jamais fait, mais je sais pas, j'ai trop envie parce que j'ai vu ce de Jenna et ça m'a donné trop envie. Oui, je mets du rouge à lèvres en blush, ça m'a donné vraiment envie. Donc encore une fois, je sais que j'avais dit pas du taf, mais je pense qu'en entretien il écrit une de ses futures chansons. Moi je vais faire un petit live et j'ai trop envie de lancer un petit concept de live retouche photo, parce qu'en même temps je vais retoucher mes photos que j'ai fait l'autre jour avec Céleste au lac. Voilà, c'était grave cool, vraiment j'ai trop hâte de voir le rendu, j'ai déjà commencé à les retoucher. Et je me dis pendant que je retouche, je peux vous parler un petit peu. En vrai ça fait grave partie de notre routine au quotidien. C'est genre toi qui bosses sur tes sons ou qui écris et moi qui retouche des photos. Genre c'est limite quelque chose qu'on va faire genre plusieurs fois par semaine. C'est vrai, mais c'est parce que j'écris très lentement. Et demain aussi, je pense qu'on va faire un live TikTok à deux. C'est moi qui ai décidé. Sur le compte de Taine, on va vous partager... peut-être enfin, un live sur ton compte. Ouais. En gros, on a une chanson à écrire qui sera en feat avec Céleste. Je vous spoil de ouf. On s'est dit qu'on pouvait écrire à deux parce que moi, j'aime trop écrire, comme je vous disais. Arrête. Oui, vas-y, vas-y. J'ai déjà fait vérifier les poux à mon mec. Et oui, et j'ai pas, enfin, on n'a pas envie à chaque fois d'écrire tous les sons à deux, parce que bah, c'est quand même Taine qui, c'est toi le chanteur, quoi. Et t'écris très bien sans moi, donc je trouve ça cool, même si on bosse beaucoup ensemble, on fait des trucs ensemble, de faire des fois des trucs ensemble, et des fois... plein de trucs ensemble, c'est trop bien. Faites ça dans un couple, c'est ça qui fait tenir le ciment. Je vous jure, c'est plus le temps qu'on passe seul qui fait tenir, c'est le temps qu'on passe tout le temps ensemble. Non, je sais pas. Non, mais le fait de passer du temps sur nos propres projets, ça se permet aussi de nous re-raconter différemment. Tu parles un peu de ce que j'ai fait, tu parles de ce que t'as fait. Parce que sinon, en fait, à force de vivre tout le temps plein de choses ensemble... Pas tant que l'autre soit là, tu... Et on est plus indépendant. Voilà. Alors les gars, je suis en train de faire un live. Je viens de faire un petit live TikTok. Et c'était trop cool. Il fait chaud. Genre... je voulais retoucher mes photos en live, finalement je vais que parler. Mais je crois que je vais en faire hyper souvent. Enfin, je sais pas, genre je trouve ça. C'est grave sympa de discuter avec vous. Ça me rapproche de ma commu. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok si vous avez envie pour qu'on discute un peu et qu'on fasse connaissance, en gros. Il y a mon ordi. Toutes les plantes. Il y a le linge. Le petit est là. Les plantes. J'ai kiffé ma journée, j'ai pas fait énormément de trucs positifs pour l'instant. Je voulais aussi aller au lac et lire, pourquoi pas, mais on n'a pas eu trop le temps. Je suis grave contente de m'être reposée, de m'être posée, parce que je me mets une énorme pression à chaque fois, surtout. J'arrive pas à décrocher. Genre vraiment, j'arrive pas à décrocher de manière générale. Et c'est pas bien, c'est pas bien. Et en plus, je vous dis tout le temps la même chose par rapport à ça. Et c'est aussi que j'ai l'impression que... à chaque fois, si je travaille pas, j'existe pas. Genre, je suis personne. Et je veux trop faire un podcast sur ça, j'en avais fait un. Mais je sais pas, je l'ai jamais monté, j'ai l'impression qu'il était hyper perso. Donc il faudrait que je vous en refasse un. Je prendrai le large vieux port, je mangerai les calanques en Corse. Traversera le Maroc et quelques déserts encore. Le plus beau des continents d'or, ils en profitent pour piller son or. Je foguerai jusqu'aux eaux. Il est le soir, d'ailleurs. Il est quasi 2h. 1h47. Et là, on est rentré ce soir. On est allé à la plage pour l'anniversaire de ma tante et toute ma famille, quasiment.
Il manquait juste ma mère, ma petite sœur, ma grande sœur. Et c'était grave cool. Et un on a mangé sur la plage. Ouais, on a dansé, on s'est incrusté dans un karaoké. Elle s'entendait bien avec tout le monde, avec mes cousins. Elle parlait avec ma famille. Elle avait les gens rassurés. Elle est bien intégrée. Il y a un an pile, on se parlait par message. On foutait tout le temps des vents. Non, c'est pas que je te foutais des vents, c'est que toi tu t'attendais à ce que je te réponde à la seconde. C'est pas pareil. Non, bah, me répondre une fois tous les deux jours, c'est pas beaucoup. Je t'ai retrouvé pas du tout une fois tous les jours, je te répondais tous les soirs. C'est arrivé une seule fois que je te réponds pas pendant trois jours, mais tous les jours je te répondais. Mais les filles, vous retenez que ce que vous préférez dans vos versions. Ça, je vais arriver une fois. Et je t'ai. Est-ce que vous voulez qu'on vous raconte notre story d'amour une autre fois? Ouais, vous voulez. Ouais, une autre fois. On vous fait s'il vous plaît, une autre fois. On vous fait des gros bisous. Un rico blond, putain. On vous dit à bientôt. On espère que cette routine pas du tout esthétique vous sera plus. Regarde, pas beau, là. double menton. Je dirais pas. Qui? Bye, Yami. Il n'y a que de vagues souvenirs de tes bras calés dans ma valise. Une silhouette au loin, perdue aux confins du plus grand des océans. C'est comme si le test à ma vie enlevait quelqu'un de ma faim.